Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai plein de petites choses à vous faire découvrir. Enfin, vous faire découvrir, non. C'est déjà des choses que vous connaissez. Vous vous souvenez, nous avions réalisé ensemble un junk journal. Alors, ensemble, c'est un grand mot, hein, parce que j'en avais fait un petit peu de mon côté et puis on avait réalisé quelques pages ensemble. Et je vous avais dit, il me semble, que ce junk avait trouvé une propriétaire. C'est donc pour un anniversaire, pour une maman qui offre ce junk-là pour les 50 ans de sa fille. Et de par ce fait, je vous avais dit, je terminerai toute seule la déco parce que je vais incrémenter des photos personnelles. Et bon, ben voilà, je voulais pas le faire avec vous, hein, dans le respect de la personne. Mais là, il est terminé. Je l'ai quasiment terminé hier soir. J'ai encore deux, trois petites touches à faire, mais grosso modo, il est fini. Donc, voilà, je vous le montre. Alors là, j'ai réalisé un petit emballage pour faciliter le transport, déjà et d'une, et puis pour pas voilà, le donner en vrac comme ça. Donc, j'ai utilisé une petite poche sachet. Poche, c'est charentais apparemment. Donc. Voilà, un sachet. Alors ça, c'est une de mes collègues qui me l'avait donné. C'est une boîte de chocolat, enfin une poche de chocolat, enfin un sachet, je vais y arriver. Ah, attendez, l'original, c'est, enfin, voilà. C'est une petite poche comme ça. Donc c'est des biscuits. Je crois que ça vient de l'île de Ré. Non, pardon. 86. 86. Et donc, elle m'en a donné deux. Et je me suis dit, mais la deuxième, je vais l'utiliser. Et comme mon junk rentrait pile poil dedans, banco. Voilà. Donc, alors je l'ai customisé, hein, évidemment. Alors là, ce que j'ai fait hier soir, je me suis amusée, j'ai rigolé parce que là, je me. Vous savez, j'ai conservé. Alors, ça, c'est pas de moi. Hein. Oh, d'ailleurs, tiens, il faut que je vous fasse un petit laïus, non pas laïus, mais voilà, on a une cafetière Senseo à la maison et je garde les. Ah, c'est pas les capsules. Les dosettes. Voilà. Je garde les dosettes, je les dédouble, j'enlève le café et puis je les fais sécher et voilà. Donc, j'ai réalisé une fleur avec ça. Voilà, vous voyez. Hop. J'ai mis des petites feuilles de dosettes. Comme ça, j'ai collé. Et puis à l'intérieur, j'ai glissé une petite fleur de chez Action. Le tout. Je l'ai posé sur mon plan de travail et j'ai pchiqué de la distress comme ça. Voilà. Celle-ci et celle-ci. Les distress spray stain. Donc là, j'ai utilisé la vintage photo et la pellet paint pour obtenir ceci. Voilà. Donc je trouvais que ça faisait sympa. C'était cohérent avec l'ensemble. Un petit papillon à moi. Vous savez, les petits papillons avec le gel. Hein. Là, ici, un petit timbre. Les timbres également transparents d'affranchissement. Ici, voilà, une petite chose comme ça. C'est pas de la dentelle. Hein. Ça, c'est un petit truc que j'avais acheté chez Noz. J'en ai plus, malheureusement. Quasiment plus. Ça va bien me manquer. Voilà. Ici, des fausses coutures. Alors, à la main, ça, c'est des petits pointillés que j'ai fait à la main avec ce stylo-là. On va y revenir, hein, d'ailleurs, avec ce stylo et ces petits trucs. Vous allez voir après. Voilà, ça je l'ai acheté à l'espace culturel Leclerc. C'est uni, chalk, marqueur, teinte blanc. Voilà, et donc j'ai fait des petits effets couture, voilà, sur tous les bords de la petite poche. Et puis là au dos, bon, voilà, j'ai juste fait un petit truc tout simple, une impression d'une carte postale vintage. Ici, un peu de washi. Donc ça, c'est les washi de chez Action. Vous savez, sur les planches comme ça. Hop, je vais prendre ça. Voilà, c'est ces planches-là. Alors, ça tient très très bien. Il est super, il tient vraiment impeccablement bien. Voilà. Alors, ensuite. Alors, ça, c'était un petit truc, je me suis amusée. C'est une fille qui ne connaît pas du tout le junk journal. Je pense que quand elle va ouvrir son paquet, elle va se dire, mais c'est quoi ce truc?
Donc je me suis dit que lui donner une petite explication, c'était peut-être pas plus mal. Donc là, ce que je vais faire, je vais défaire le petit ruban. Je vais vous montrer ce que j'ai écrit à l'intérieur. Là, il n'y a rien de secret, hein, vraiment. Donc là, je l'ai attaché avec les petites choses qu'on avait réalisées aussi ensemble, avec des petits cachets de cire. Voilà, je lui ai fait comme un petit parchemin. Donc ça, c'est du papier vieilli, hein, tout simplement. Avec, voilà, j'ai déchiré sur les bords. Et je lui ai marqué, bonjour Linda et joyeux anniversaire. Vous venez de découvrir votre junk journal. Donc, logiquement, je vais demander à la maman de lui donner ça après. Donc, j'espère qu'il vous plaira, autant que j'ai eu plaisir à le réaliser. Vous vous posez sans doute déjà cette question, mais qu'est-ce que je vais en faire? Permettez-moi de vous guider. Un junk journal, c'est comme un carnet intime. Et de plus, il est doté d'une multitude de cachettes. C'est sa particularité. Quelques minutes devraient suffire pour vous l'approprier. Vos propres idées germent peut-être déjà afin de l'embellir. Des espaces ont été laissés libres pour que vous puissiez l'investir à votre souhait. Collage de photos, lettres, mots doux, notes d'un restaurant, etc. Votre maman vous a offert cette création dans le but de vous surprendre par l'originalité de ce présent. Je vous souhaite de la douceur, de la sérénité et du bien-être auprès de votre nouveau compagnon à qui vous pourrez tout confier. Bien à vous, Senga. Voilà, donc déjà, je pense que après avoir lu ce petit mot, elle va mieux situer un petit peu l'objet de ce cadeau et surtout du junk. Voilà. Donc ça, je le raccrocherai après, c'est pas grave. Je vais passer à la suite. Donc, hop, on va sortir notre petit trésor. Ah oui, si, il y a un truc aussi. Alors là, par contre, j'ai utilisé ceci. Ça doit vous parler. C'est mon bananier. Vous savez, cette espèce de petite pellicule au pied. Voilà. Donc, alors, je ne suis pas forcément hyper satisfaite, mais globalement, ça passe. Mais c'est limite. Sur cette petite pellicule, attendez, hop, je vais juste choper mon plateau. Ouch ! Ça y est, je suis en train encore de mettre du boxon. Ça, voyons. Ça, c'est la pellicule du pied du bananier. Certainement un nom, hein, mais là, sincèrement, je ne le sais pas. Je ne le connais pas. Donc là-dessus, j'ai tamponné avec de la Distress Oxide Linen. Faut que je creuse un petit peu parce que la Distress Oxide Linen, particulièrement, je ne sais pas pourquoi, mais elle met un pas de temps à sécher. C'est un truc de fou. Et je me suis fait un petit peu avoir. Oups, mon fauteuil est en train de grincer. Je me suis fait un tout petit peu avoir. Non, c'est là. Parce que vous me connaissez, maladroite comme je suis. J'ai dû passer ma main. Alors peut-être, voilà, peut-être que c'était en réalisant les traits parce que les petits tirés là, je ne sais pas. Je l'avais collé et puis après j'ai fait les petits contours. Je ne saurais pas vous dire. Donc là, vous voyez, il y a un petit. Ça ne va peut-être pas être visible. Un petit peu de débord. Voilà. Alors, les petites bulles, j'en ai laissé volontairement. Parce que je trouvais que les petites bulles faisaient aussi sympa sur l'effet. Et là, je viens de le passer 3 minutes au soleil. Nickel chrome. Tout a bien séché. Voilà. Donc, ouais. Pour la petite finition ici, je pense que je vais mettre petit strass. Là, voilà. Pour cacher les petits trous. Et puis, voilà. Sympa la pochette. Hein. Franchement, j'aime bien. Et puis, alors, ma fleur, je sais pas, je la kiffe. Alors, le junk. Donc, sur le bijou, j'ai rajouté juste le petit parchemin. Voilà, qui manquait. Et puis, alors, je vais essayer de passer assez rapidement sur les photos ou les cacher, mettre ma main. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Voilà, je vais peut-être faire comme ça. Donc là, voilà, j'ai mis... j'aurais peut-être dû faire comme ça. Voilà, tac. Ok. Donc ici, c'est des photos personnalisées. Cette jeune femme s'appelle Linda. Je dis cette jeune femme parce qu'elle a 50 ans. Donc, moi aussi. Donc, voilà. Bon, ça, c'est une photo d'un chat. Donc, ça va. OK. Et puis, voilà, à l'intérieur, du coup, j'ai mis voilà, des photos de ses enfants. Donc, j'ai tout imprimé. J'ai imprimé toutes les photos que sa maman m'avait envoyées. Et puis, voilà.
Donc je peux le dire, c'est une dame qui avait eu des triplés. Donc c'était assez sympa. Donc je lui ai laissé des choses en l'état. D'accord. Alors là, je vais cacher les photos. Voilà, hop. Donc j'ai glissé tout plein de petites photos. Donc je pense que ça va être la petite découverte. Donc voilà, j'ai mis des petites dentelles. Hop. Donc je lui ai laissé suffisamment d'espace disponible. Donc je lui ai même laissé des pages blanches comme ça. Là. Comme ça, voilà. Ici, elle pourra peut-être écrire. Je lui ai laissé comme ça. Hein. Parce que bon, le but, c'est aussi quand même que la personne. Alors, hop, hop. Attendez. Je vais juste tout retourner. Voilà, ici. Voilà, je vais cacher un petit peu. Hop. Voilà, donc les petites photos ici. Hop. Allez, on voit à peine. Voilà, donc là, je lui ai glissé un petit carnet comme ça. Allez, un petit carnet, je ne sais plus si on les avait fait ensemble, cela. J'avoue que... Donc là, est-ce que je lui ai mis des petites choses? Oui, je crois, une ici. Voilà, une petite photo là. Après, hop. Là, je lui ai mis un petit tag. Un petit tag supplémentaire. Alors, ici, est-ce que je lui ai mis des petites choses? Je ne sais plus. Non, je crois pas. Non, ça va. Ça va, ça va. Hop, allez, zou. Voilà, petit tag. Ok, là. Donc là, j'ai fixé ici les filtres à café. Ça, on les avait fait ensemble. Voilà, donc là, d'autres photos. Bon, là, ça va, on voit presque pas. Voilà, des petits tags, des petites choses. Et mine de rien, c'est là que je me suis aperçue que l'on peut... Là, j'avais à peu près... Je crois que c'est presque une cinquantaine de photos. Hein. Et alors, on est loin, loin, loin de remplir le junk. Hein. Donc, voilà, tac. Donc ici, là, c'est pareil, j'ai glissé une petite photo, mais ça, ce sera la petite découverte. Voilà, tac. Zou. Alors, très honnêtement, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à m'en séparer parce que je l'ai vraiment réalisé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir et j'en suis très contente, voilà, aussi. Donc, je pense que ça va me faire un petit pincement au cœur quand je vais m'en séparer. Ah zut. Mais voilà, c'est pour mieux en redébuter un autre, dans ce style en tout cas. Voilà, donc là ici, toujours des pages de libre. Voilà, ici, une petite pochette. Là, ici, alors là, je lui ai intégré également, ça c'est une petite... Ça, là, je ne l'avais pas fait avec vous, hein, je crois pas. Voilà, donc là, c'est... On va pouvoir glisser tout un tas de petites choses. Ça, c'est... Ouais, c'est un truc que j'avais fait... ça, il y a un moment. Donc, comme c'est dans mes affaires... dans ma petite boîte avec toutes mes créas. Voilà, et ici, là, c'est des photos de ses jumeaux. Oui, ici, d'ailleurs, il faut que je rajoute juste, voilà, des petites choses comme ça, ici. Voilà, donc, pour le junk de Linda, il est quasiment terminé. Voilà, mis à part deux, trois petites choses. L'affaire est jouée. J'ai accompli ma mission. Hop. Tac, je vais faire ressortir le petit truc et puis après je vous mettrai le parchemin. Voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, ça hier soir je me suis amusée. J'ai une amie qui vend du maquillage Unique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque Unique, elle est extraordinaire. C'est une marque américaine, mais franchement, moi pour utiliser les produits Unique, je peux vous dire que c'est vraiment béton. Ils sont vraiment faits à partir de produits naturels et j'en suis vraiment super ravie. Et ma peau lui dit merci à ce maquillage. Et produits de soins également. Et donc, voilà, comme c'est une copine, je lui ai fait des petits tags pour qu'elle puisse offrir à ses clientes. Donc, c'est une nénette qui adore les ananas. Et donc voilà, je lui ai mis le nom de sa boutique
Et puis comme ça, voilà, elle pourra glisser des petites choses comme ça dans les colis de ses clientes. Ça, c'était vraiment pour m'amuser. Et là, voilà, c'était une petite enveloppe avec du papier calque. Tout simplement. Ok. Voilà. Une petite trombone avec un petit pompon et le tour est joué. Bon, ça c'était juste un aparté. Le point que je voulais faire avec vous, j'ai eu des commentaires sur une de mes vidéos, donc je crois que c'était la vidéo des perles, et entre autres. Hein, et vous êtes nombreuses à me dire, mais tes idées elles sont super, mais où est-ce que tu les trouves? Patati patata. Alors je voudrais quand même rendre à César ce qui appartient à César et être vraiment tout à fait honnête et transparente avec vous. Toutes les créations que je fais ne sont pas issues de mon petit cerveau. Voilà. Je dirais plus de la moitié, effectivement, mais sur l'autre moitié, je fais comme vous, je navigue beaucoup sur Internet, je puise des idées un petit peu partout, je fais voilà, je pioche et je fais un medley quelquefois pour obtenir ma propre création. Mais tout n'est pas de moi. Donc vraiment, ne vous mettez pas en tête, Agnès, elle fait des choses formidables. Voilà, c'est. Je voudrais être vraiment, vraiment claire avec vous. Tout n'est pas de moi. Tous les lauriers ne sont pas pour moi. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais vous dire parce que c'est important. Et voilà. Je cherche mes mots encore ce matin. Alors, on continue avec notre junk journal Alice. Voilà, allez, on va faire une petite bricole ce matin pour pas que la vidéo dure 3 heures. Alors, on a déjà réalisé ceci. Alors, une autre personne, une autre abonnée m'a dit, où est-ce que tu pioches tes idées, enfin tes idées, pas tes idées, je me focus là-dessus maintenant, tes images Etsy. Alors, effectivement, je vous en avais parlé, donc ça, ce sont des pages que j'achète. Donc, ça tourne autour de 1 euro, piote en face, il m'a foutu la trouille, autour de 1,50 euro, 3 euros grand maximum. Mais voilà, il y a des pages qui coûtent beaucoup plus cher, mais moi j'essaie d'investir vraiment à minima. Et voilà, celle d'Alice par exemple, je crois qu'elles m'ont coûté à peine 2 euros. Donc j'avais 4 pages. Donc celle-ci, celle que je viens d'imprimer, d'Alice, vraiment pure et dure. Alors attendez, je suis en train de m'apercevoir d'un truc. Non, c'est bon. Je croyais que j'avais fait un doublon. Ça, c'est pas grave, je vais les retirer, je vais vous les montrer comme ça. Voilà, donc un recto verso. Donc cette page-là, voilà, et celle-ci. Donc, elles sont vraiment sympas. Voilà. Donc ça, je vais vous montrer. Oh, la tête de chouette. J'ai un chat en face. Qu'est-ce que tu veux, Piotte? Qu'est-ce que tu veux? Alors, attendez, laissez-moi juste une petite seconde. Je reviens, je vais lui ouvrir quand même. Voilà, ça y est, le monstre est rentré. Qu'est-ce que tu veux, Piotte? Attention. Attention, Piotte. Attends. Oh. Ah oui, non, mais c'est qu'il est... Quand il arrive ici, et il faut tout bouler. Hein. Ok, c'est bon? Qu'est-ce que tu veux, Piotte? Je suis en train de tourner une vidéo. Piotte. Bon. Voilà. Alors là, ça va être simple. Elle va être simple, l'affaire, Piotte. Bon, bah, tu dis bonjour. Hein? Tu dis bonjour, Piotte. Tu me gênes, là. Et comment je fais, moi? Bah, écoutez, hein, c'est du direct. On compose. Alors, attends, pousse-toi. Pousse-toi un tout petit peu. J'étais en train de... Mais comment je fais, moi? Piotte. Attends, pousse-toi un tout petit peu. 2 secondes. Bon, on va pas y arriver, hein. Ça va être compliqué. On va le poser sur le chat. Alors, ce que j'ai fait hier soir, pousse-toi. Ce que j'ai fait hier soir, j'ai... Non, mais ça va pas être pratique, là.
On est d'accord. Attends, pousse. Oh. Vous voyez pas là? Hein, si, vous voyez le chat. Alors attendez, je voudrais vous montrer la compo que j'ai fait hier. Oh, où est-ce qu'elle est là? Bah non, du coup, elle n'est pas là. Je l'ai mise de côté. Bah oui. Finette. Non mais Piotte, écoute, là, franchement, ça va pas être pratique pour moi là. Alors, hier soir, j'ai réalisé ceci. Donc, typiquement, ça, c'est un medley également d'idées. Donc, c'est issu d'une enveloppe craft. Vous voyez, une enveloppe craft. Et j'ai fait mes muses avec cette enveloppe. Donc, ici. Voilà. Donc là, petit compartiment. Bon, bah alors maintenant, vas-y, pousse-toi. Oh, ça y est. Attends, mon parchemin. Oh. Bon, voilà, ça y est, il est calé. Bon, je reviens à mes moutons. Dites donc, c'est compliqué ce matin, vous ne trouvez pas? Donc voilà, des petits compartiments ici, avec une petite pochette là. Voilà. Et ici, je vais hop, intégrer des petites pochettes également. Voilà, je pense que ces petites pochettes, je vais les réaliser avec du papier calque. Parce que le papier calque, on en abuse et c'est bon. Alors, attendez, je suis en train de vérifier ce qu'il est en train de faire parce qu'il est en train de me virer des affaires. Et mes rubans, toi. Ça, c'est mon ruban. Ok, Piotte. Allez vous concentrer avec ça. Alors, ici, voilà. Donc, une petite fenêtre. Ouais, petite fenêtre. Piotte, je te vois. Ici, voilà, et là également une autre petite pochette. Donc là, c'est un petit peu, je vous montre ça un petit peu en vrac, mais voilà. Il est fort probable que je réalise une autre création de ce type-là. Ce sera pas forcément sur le thème Alice, parce que je vais pas en faire 36 000 non plus. Ça, c'était une image également trouvée, ça issue de Pinterest. Et puis, alors, cette petite chose, voilà. Je voulais en venir à ça. Oh là 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 là, c'est fouillis ce matin. Je vous ai montré, je crois, ce papier-là hein, que j'avais acheté sur Amazon. Donc, ce papier vraiment superbe, effet parchemin, hyper doux. Un mélange de tissu et de papier. Et ce que je voulais faire, c'était donc, voilà, coller ma créa dessus. Parce que je trouve que l'ensemble est vraiment sympa. Et sur cette page-là, je me suis dit que je pouvais également incorporer des petits coins comme ça. Si j'agrandis trop, ça ne va pas le faire non plus. Hop, voilà, un ici et un là. Bon là, ça demande quand même un peu de temps. Hein. Donc la vidéo, je peux pas vous la faire là aujourd'hui. Parce que là, franchement, j'ai un petit peu de temps quand même hein, sur ce projet-là. Donc, vous me dites, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, on le fait ensemble. Sinon, next. Non. On le fera de toute façon. On le fera parce qu'il est très agréable à faire. Voilà, donc ça, je vais faire ça comme ça. Et puis, sur ce petit bord-là, j'ai presque envie, hop là, voilà, de faire une petite patte là, comme ça. Alors, peut-être bien, je vais peut-être le coller ici, je vais intégrer un petit œillet au centre, et puis on va faire une petite rosette, ou un petit nœud, enfin, une petite rosette, quelque chose comme ça, en fait. Hein. Ça va finir comme ça. Allez, on va essayer. Je vais juste revérifier mon pliage. Ouais. Donc là, évidemment, hein, c'est... Vous voyez, là, c'est pas bord à bord, mais c'est normal, c'est le papier qui est comme ça. Allez, on va faire le collage. Et puis, voilà. Alors, je vous avais dit dans une vidéo, vous n'aurez jamais de tutoriel le week-end. Alors, il se passe que si, effectivement, il y en aura un qui est tombé un samedi, faute de problème de fin, dû à des problèmes de téléchargement, voilà, la vidéo est tombée un samedi. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était pas prévu comme ça. Voilà, je vais le décaler un petit peu ici.
En gros, n'écoutez jamais ce que je vous dis. Voilà. Si vous avez une leçon à retenir, n'écoutez jamais ce que je vous dis. Voilà, ici je pense qu'on va également trouver une petite idée pour juste refermer un petit peu comme ça. J'aurais pu caler un aimant, bon c'est trop tard, mais pour le prochain, il faut y penser. Voilà, ici. Alors là par contre, je me pose la question de comment je le fixe. Parce que là, j'ai pas vraiment de manœuvre, de marge de manœuvre pour le fixer. Hein. Ce truc-là, hein. Ça va être chaud patate, hein. Très très chaud. J'avoue que là pour l'instant je vais coller hop la petite c'est quoi, c'est une cafetière? Non, c'est pas une cafetière, ça c'est un, si c'est une cafetière ancienne, un petit peu derrière. Voilà, ici quand on va le tourner. Ok, ça on va le mettre comme ça, ça je vais le fixer après. Donc ici, alors même s'il y a du débord sur le à l'intérieur, c'est pas grave, hein, au contraire. J'aime bien les petites choses qui débordent. Alors ici, il faudrait presque que je fasse mon petit trou là. Donc je vais me faire un petit repère. Je vais me faire un petit repère pour caler mon œillet ici. Voilà, ma croppe. Alors, un petit œillet. Hop. Un petit œillet ici. Il est vraiment super beau ce papier, mais super, super beau. C'est un bonheur de le toucher. Je l'ai montré à une collègue, elle m'a dit, attends, bouge pas, file-moi les références. Je le mets dans mon panier. Je vais la voir, je sais pas, petite demi-heure après, elle me fait, c'est bon, c'est commandé. Claude, pour ne pas la nommer. Allez, on va caler un petit œillet. Un petit œillet, un petit œillet. Alors par contre, ici, je vais être comme ça. Donc il me faut vraiment un petit, un tout petit, un tout petit. Alors, j'ai de l'orange. Est-ce que l'orange pourrait... Toukoutouk ou black, tout simplement. Non, ça c'est vert. Ah non, je vais peut-être mettre celui-ci, cette couleur-là, ça passe partout. Voilà. Tac. Ok, donc ça, je vais hop. Alors, le chat est couché. Le chat est couché. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, attendez, je me débrouille comme un manche. Ce matin. Alors. Kezako. Il y a des matins comme ça. Ok. Je l'ai. Je l'ai, le gars, je l'ai. Voilà. Ici. Alors ici, je vais hop coller. Ouais, parce que même si elle n'est pas droite, ma choix. Soit je la mets droite, soit je la mets un peu penchée. Penchée, ça peut être sympa aussi. Ouais. Alors, glitter. Donc ici. Donc il faut que je me mette ça. Voilà, surtout ici. Voilà. Alors, hop, je vais encastrer l'œillet comme ça. Alors là, je vais remettre un petit pet de colle. Super. Très très bien.
Alors, ensuite, ces petites choses. Comment vous verriez la faire? Avec de la glu, le stick glu, ça va pas le faire non plus. Alors là, il faudrait que je puisse hop, mettre ma colle. Voilà. Dans toutes les zones un peu pleines. Il n'y en a pas beaucoup. Mais comme cette colle est très efficace et que je crois énormément en elle, ça devrait pouvoir le faire. Ok. Un petit pet là ici. Voilà. Allez, on se le tente comme ça. Go. Je les trouve vraiment super beaux ces coins. Ouais, ça va aller, je pense. Ce qu'on va peut-être faire pour assurer le coup, on va peut-être mettre une petite pince. Une petite pince pour être sûr. Celle-ci suffirait. Non, je vais mettre mes petites rouges de chez Action, mes pinces rouges. Ah bah sont là. Une et deux. Allez. Allez, allez, come on. Une là. Et une là. Voilà. Ensuite, le second. Hop. Ok. Oui, et pour en revenir aux idées, aux créations qui ne sont pas issues vraiment de... Enfin, si, elles sont issues de moi, mais des idées... je pense que c'est vraiment super important de le savoir. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est effectivement à chaque fois que je fais quelque chose, c'est oui, alors ça c'est de moi ou ça c'est pas de moi, mais pff, je vous avoue franchement, je vais jamais y penser. Je vais jamais retenir la chose dans ma petite tête. Alors, mais ça me faisait mal de lire Agnès. Vraiment, elles sont bien tes idées. Oh, elles sont bien tes idées, mais. Je peux pas concevoir de m'octroyer des lauriers qui sont pas les miens. J'ai beaucoup de mal avec ça, moi. Hop. Bon, attendez, ça va me gêner. Je travaille comme un. Comme un quoi? Comme une andouille. Tiens, comme ça va être plus simple. Voilà. Et si je fais mon nœud comme ça, est-ce que ça marcherait? Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Alors attendez. Comment je vais mettre mon nœud? Poupoupoupidou. Ah, j'avais pas pensé à ça. Pipa 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 pu. Attendez, j'ai un blanc là. J'ai un gros blanc. J'ai un gros blanc, j'ai un gros blanc. Ici, parce que là, je voulais faire une rosette. Wesh. Ça, d'accord, Agnès? Tu voulais faire une rosette, ça, c'est bien. Mais ici, il faut que je fasse un truc qui bloque. Alors. Ouais. Je vais prendre une perle. Je vais prendre une perle, une perle, une perle. Alors, une perle. Mince, mon café va être froid. Alors, hop. Ici, je vais glisser une perle. Yok. Attendez.
Alors, je vais glisser une petite perle ici. Zouk, zouk, zouk. Alors, pousse-toi. Allez, pousse, pousse, pousse. Voilà. Ok. Donc là, maintenant, tchouk. J'ai peur qu'il soit à peine assez grand maintenant, mon ruban. J'ai peur qu'il soit à peine assez grand parce que tout à l'heure, j'ai eu un peu de mal pour faire la rosette. Voilà, donc là, je bloque ici. La perle est un peu grosse. La perle est un peu grosse. Parce que là, du coup, ça me fait un peu de... Ça me fait trop de jeu. Donc, ça ne va pas. J'irai qu'à mince. Alors, avec une perle peut-être un tout petit peu plus fit. Non, j'ai une autre idée. Bougez pas, bougez pas. Hop. Oh, si je pouvais vous montrer mon chat, il est affalé. Affalé comme un cochon. Trop mignon. Alors, ici, dans la boîte à merveilles. Dans la boîte à merveilles, il faut quand même quelque chose dans lequel je vais pouvoir passer mon ruban. Agnès, pense-y. Alors, une... Wesh. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre ici, c'est quoi? C'est une petite bonne femme. Ah, c'est dommage que j'ai pas un petit lapin. Je suis toujours à la recherche de mes lapins, moi. Je crois que j'en ai un, mais malheureusement, il est pas doré. Ah, j'ai une petite lune. Merde, pardon. Petite lune. Ah bah oui, on va prendre la petite lune. Oh, il y a tout qui se casse la gueule. Oh merde, pardon Piotr, excuse-moi. Bah oui, je sais. Maman est maladroite. Oh, voilà, c'est bon. On regarde bizarre. Hein. Alors je vais prendre un morceau de ruban un petit peu plus long. Parce que là, sinon, je vais batailler. Ok. Alors, je vais mettre ma petite lune. Bloquer. Vous avez vu comment je vais galérer là? Allez, roule ma poule. Mais en plus, mais je cherche des trucs, mais tellement facile à faire, mais tellement, tellement. Alors là, ici aujourd'hui, on est vendredi, hein, c'est mon vendredi libéré. Donc demain, nous partons dans l'île d'Aix donc pour aller passer la nuit sur l'île. Manque de bol. La météo va pas du tout être avec nous. Et ils annoncent de la pluie, de l'orage, bref. C'est tout à fait en adéquation avec nos vacances de cet été. Parce que pour celles qui n'auraient peut-être pas forcément suivi mes aventures, cet été nous sommes partis dans le Lot, la semaine du 14 juillet, la semaine la plus pourrie. Donc, voilà. Et là, on part en week-end. Voilà, depuis la semaine de vacances, c'est vrai qu'on n'est pas parti. Là, on part un week-end, même un jour. Orage et compagnie. Oh, pff. Et on a 20 minutes de traversée pour aller dans l'île. Je pense qu'à mon avis, ça va tanguer. Donc, j'avais prévu de prendre plein de photos, plein de trucs comme ça. Ça va être compliqué. Voilà, donc là ici, on aura la petite lune de ce côté-là. Et là, on va faire le papillon. Tout ça pour ça, hein. Tout ça pour ça quand même. Hein. Vous êtes patiente. Franchement, moi je vous félicite. Hein. Ah là là.
derrière, je suis allée donc à l'espace culturel pour aller chercher un crayon blanc, là, comme ça. Et j'ai acheté, comme je vous l'avais promis, pour le concours des 500 abonnés, j'ai acheté la même... Pardado, la pente sur le dos, hop là. J'ai acheté une petite gomme, voilà, comme ça, tout comme la mienne, qui est... Je sais pas. Attendez, non, ça c'est peut-être bien la mienne. Voilà, non, c'est la vôtre. La vôtre, elle sera avec un petit capuchon plus violet. Voilà. Donc, voilà, voilà. J'ai acheté un de vos petits cadeaux. Alors, ici. Alors, ici, ici, on va couper un petit peu. Voilà. Ah, on y approche hein, des 500 abonnés. Hein. Quoi qu'à faire mes bêtises comme ça, je vais peut-être en perdre. Bon, cela dit, de toute façon, au pire, ça va me coûter un resto. Hein, parce que Alain avait dit, de toute façon, tu auras tes 500 abonnés fin septembre. Moi, j'avais dit non, c'est pas possible. Et du coup, il reste plus que... Foufou. On est quoi, le 24 aujourd'hui? Ah ouais. Ah, ça va me coûter cher, l'histoire. Tous les jours, il regarde. Oh, chérie, t'as vu? Oui, j'ai vu. Voilà, allez. Bon, mon nœud, il n'est pas extra formidable. Hein. Allez, fais-toi bien, Coco, là. Bon, allez, on verra ça plus tard. Alors, ici, voilà. Hop, je vais dézoomer un petit peu au max. Voilà, comme ça. Donc, ici, nous avons cela. Avec, lorsqu'on tourne la page... La petite lune, oh, elle est trop mimi. Allez, donc ça c'est bon, c'est ok. On passe à autre chose. On passe à autre chose, toujours, toujours avec Alice, hein, je vous rassure. Ok, alors, pour cette page, bon, de toute façon on y reviendra. Voilà, elle, il est bien possible que je la mette tout devant. Ou pas. Voilà, parce que là, on va hop, sortir celle-ci et on va lui faire un petit truc à cette page-là. Ok. Alors, on dégage tout ça. Voilà. Pam, pam. Ma croppe ici. Ça va là. Ça, ça va là. Je m'organise. Hein. Ouch. Ok. Alors. Les pinces là. Donc, pour cette petite chose, j'ai préparé deux rubans. J'ai préparé deux rubans. Ils sont là. Ok. Donc, le but du jeu. Le but du jeu, c'est de coller ces deux rubans sur les bords de page. Comme ceci. Et ensuite, tom 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 tom. Voilà. Pour ce côté-ci, j'ai réalisé une petite guirlande avec les petits die-cuts que j'ai dans ma petite poche. Voilà. Une petite guirlande comme ça. Donc, accrochées les unes les autres avec les petits anneaux comme ceci, tout simplement. Et on va la fixer là-dessus. Mais je ne voulais pas la fixer directement comme ça, indélicatement, je dirais, sur le carton. Donc je voulais ajouter une petite touche supplémentaire avec ceci. Donc, hop, j'ai mis ma colle textile loup là-dedans, parce que là j'en ai ras-le-bol de galérer. Ah, ben là, ça va beaucoup mieux. Hein. Alors, t'as trouvé ton maître hein. Non, mais... Voilà. Et puis là, je vais venir coller, hop, ma petite bandelette. Donc, je tire dessus. Voilà. Alors, je viens de réégaliser là tout à l'heure. Des petites franjounettes.
Voilà. Alors attendez, je vais peut-être faire les petites franges tout de suite. Les petits bords. Hop. Oh, putain, c'est mon micro. Qui me gêne, qui me gêne. Oh, voilà, je pose ici. Je chope mes ciseaux tissus. Il va falloir que je leur fasse une marque. Il va falloir que je me mette un. Je vais me mettre un ruban parce que à chaque fois, je cherche mon ciseau tissu. Je vais y coller ça là, moi. Voilà. Ça, au moins, je saurai qu'avec le ruban, c'est les ciseaux tissu. Là. Ça va bien maintenant. Allez. Voilà. Ici. Et puis là, je vais faire idem de l'autre côté. Ok. Et voilà. Tic tac touc. Elle est formidable cette pomme, vraiment formidable. Les pots sont capricieux, mais alors je peux vous dire qu'elle, elle est. Je m'aventurerai même pas à chercher une autre colle à textile, parce que là franchement celle-ci elle est tellement géniale que faut pas aller chercher ailleurs. Hein. Géniale et pas chère. Que demande le peuple? Alors, ici. Alors là, je vais juste gripper un tout petit peu, choper un ou deux fils pour faire, voilà, petite frange. Hop. Ah, si, un autre truc. J'ai une abonnée qui gentiment va m'envoyer un bloc 20-20. Et du coup, on a échangé un petit peu sur ma messagerie. Bon, ça m'a permis de lui demander ben voilà, qui elle était. Et elle m'a envoyé une photo d'elle. Et j'ai trouvé ça excellent parce que c'est vrai que c'est... On communique beaucoup maintenant. C'est vrai, avec certaines abonnées, on communique quand même pas mal. J'ai des personnes qui me laissent régulièrement des commentaires. J'adore. Et c'est vrai qu'on commence à creuser un petit peu plus, à devenir un petit peu plus intime. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vous sur ma messagerie parce que c'est vraiment plus sympa de mettre un visage sur un nom, quoi, en fait. Hein. Et là, bah, pour peu, Nadine, maintenant, je sais qui c'est. Et c'est super. Et c'est super. C'est... Hop, voilà. Alors j'ai aussi Alexandra de La Réunion avec qui on a quand même pas mal échangé également. On s'est même parlé au téléphone. Donc non, j'adore. J'adore ces échanges. J'adore. Comme je le dis à beaucoup de personnes, je suis en train de vivre une aventure vraiment extraordinaire humainement. Voilà, donc ici, nous avons notre petite guirlande que l'on va fixer là-dessus. Alors je me demande même quand même si je ne vais pas ajouter. Si je ne vais pas ajouter de petits die cut en plus. Peut-être. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas cette pochette-là. Où est-ce qu'elle est ma pochette de die cut? Elle est là. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait un peu light au niveau de la taille. Hein. Enfin, de la longueur de ma guirlande. Agnès qui cherche chez nous. Bon, attendez, je vais être obligée de tout sortir. Attention. Alors, je pense que des petits dailles comme ça, je vais en laisser aussi. Je vais en mettre dans le colis de récompense. Je pense que je vais en mettre dans le colis de récompense. Parce que, alors, est-ce que si je mets une comme ça, je vais logiquement en avoir une autre? Parce que je pense que je vais en avoir de trop. Donc,
Les garder inutilement trop longtemps, ça va pas servir à grand chose non plus. Tous les petits sont restés dans la pochette. Alors ceux-là, ceux-là par contre je les avais pas mis dans ma guirlande par exemple. Ah, comme ça, alors du coup il m'en faut un autre. Il m'en faut un autre. Est-ce que je l'ai ou est-ce que je ne l'ai pas? Alors ça, sa forme est comme ça. Ouais, super. Deux. Allez. Nickel. Ouais, je vais vous en laisser. je vais vous en mettre dedans. Oh là là, j'ai fait ma liste. Hein. Je commence à préparer toute ma liste de petites choses à mettre dans le colis de récompense. Limite, j'ai presque hâte que le concours soit déjà terminé pour vous envoyer envoyer le colis à la gagnante. Complètement malade. Enfin, de toute façon, en tout état de cause, vous aurez le. Je vous dévoilerai le contenu du colis au démarrage du concours. Hein. Avant de lancer le concours, hop, je vous montre le cadeau à gagner. J'adore offrir des cadeaux. Voilà, allez, je vais faire un petit coup. Voilà, je pense qu'une petite longueur supplémentaire sera pas pour. Ce sera pas désagréable visuellement. Voilà, tac tac. Ça me permet aussi de choper. Tic tac. Quand tout se coince. J'arrive. J'ai pas remis mon micro. Il est là, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Si je crochete le micro ici. Attendez, je suis en train d'essayer de faire un truc. Voilà. Je parle pas fort, évidemment. Mais ça, c'est normal. Parce que vous devinez pourquoi. Elle a un bossé cette nuit. Donc, voilà. Alors, ici. Ici. C'était lesquels anneaux que j'avais utilisés? Est-ce que c'est ceux-là? J'avoue que je ne sais plus trop la taille de l'anneau là. Ouais, c'est peut-être les grands. Est-ce que c'est ceux-là? Non, ça me semble gros ça. Ouais, non, c'est pas ceux-là. Alors, si c'est pas ceux-là, ça doit être ceux-là. Un, ouais, c'est ceux-là. Un et deux. Ok. Donc on utilise la petite pince magique. Cette petite pince, je ne pensais pas m'en servir autant quand je l'ai achetée. Franchement, je l'avais achetée à la base pour les capsules. Mais je me rends compte que je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait un travail, mais propre. Enfin, franchement, le trou est... Je ne sais pas si vous allez voir le trou. Mais nickel, quoi. Nickel, nickel, nickel. Formidable. Alors, juste un... Voilà, ici, un autre, là. Tac. Hop. Ok. Allez. Zougalinette. Yo. Alors. Par contre, il faut vraiment que je le mette bien. Donc là, je vais le mettre. Hop. Je vais le rentrer de ce côté-là. Quand tu veux. Hein. Oh. Ok. Voilà. Super. Et puis celle-ci. Bon, c'est sûr, mon café va être froid. Alors. Ici. Hop. Alors, attendez que je m'y retrouve. Voilà, comme ça. Ah ben on fait mumuse, hein. Ok. Ah, qui m'a dit l'autre jour avec les boîtes de perles, hein, fais gaffe à ce que ça chavire pas. Oh, ben c'est déjà arrivé.
C'est déjà arrivé, j'ai pleuré. Hein. Enfin, j'ai pleuré. Et je me suis surtout criée dessus parce que j'avais pas fait gaffe. Alors, ici, on a le choix de coller peut-être directement les cartons, les petites cartonnettes ici dessus. Alors, ce que je veux, c'est quand même, hop, qu'elles se glissent. Voilà. Comme ça. Donc, je vais coller ici. Alors, par contre, là, pour la colle, je pense qu'on va utiliser de la colle chaude. Je pense que ce sera le plus approprié. Voilà, ça va être joli. Hein, ah oui, effectivement, il est froid. Allez. Ok. Bon, bah écoutez, on n'est pas trop mal. Alors, j'ai fait des impressions aussi pour continuer ce petit junk. Bon, après ça, ici, il va falloir le terminer au niveau de la déco parce que là, c'est pas fini du tout. Ça, c'est pas fini du tout. Mais ça va être cool. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Vous voyez, avec la petite... avec la petite cafetière qui dépasse. Ça fait mimi. Ça fait mimi. Et là, ici, on va mettre pareil, des petits pendants. On va rajouter des petits intercalaires. On va rajouter plein de choses. Enfin, plein de choses. Attention, Agnès. Hein. Mollo, mollo, parce que je ne voudrais pas qu'il soit trop épais, celui-ci. Je voudrais quand même faire un... Et là, ici, sur la couverture, on va faire aussi des choses. Mais j'avoue que... plus je la regarde, moins elle me plaît. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Allez. Toi, zigoto, là. Par contre, là, il faut peut-être que je remette un petit bâton. Hop. Un petit bâton. Ça vient. Ok. Alors, ici. Voilà. Et voilà. Notre petite guirlande. Alors, juste que je la remette droite. C'est quoi le cercle là? Alors, attendez. Yes, oui, embêté. Yes, oui, embêté. Alors, ça peut-être, ça vient peut-être du fait que quand je l'ai. Hop. Zut, zut, zut. J'ai un truc qui ne va pas. Ça, c'est quand je l'ai. Je l'ai retourné, c'est un petit jeu. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais le fixer une fois que ça va être... Ah, zut. Ah, maintenant, ça colle, ça colle. Alors, attendez. Vous voyez, là, en fait, j'ai celui-ci. Parce que je vais redéfaire un anneau. Il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a un blocage. Quand j'ai collé, j'aurais dû revérifier... un petit truc. Alors, hop, je vais réouvrir ici. Voilà. Et là, hop, celui-ci, voilà, je vais les ça me donne chaud. Voilà. Allez. Ok, c'est bon. Que je vais faire pour éviter ce genre de problème, je vais fixer un die cut. Voilà. Alors le cœur ici, ce que je vais, le cœur, je vais juste le fixer ici, et comme ça ne bougera pas. Parce que ce soit joli, ça c'est bien, mais par contre que ce soit pratique, c'est quand même encore mieux.
si on doit galérer tous les 4 matins à remettre la guirlande comme il faut, c'est pas le but, hein. C'est pas le but. Donc là, je vais juste fixer le petit cœur. Voilà, ici. Tac. Comme ça, le problème sera réglé. Voilà, nickel. Et donc là, on obtient notre petite guirlande. Comme ceci. Alors, on va la mettre. On va mettre notre pavinette. Je ne vais pas coller dans le bon sens. Je vais me massacrer la tête. Je vais me massacrer la tête. Alors, voilà, si je l'ai pas mis dans le bon sens. Oh, putain, je ne me supporte plus. Oh non! Bon, et ben, ce que je vais faire, je vais être obligée de fixer tout ça. Et je vais recommencer une autre pour l'autre côté. Bah oui. Donc là, en fait, celle-ci, je vais être obligée de les fixer pour que ça ne bouge pas, vu que ça devait être dans l'autre sens. Voilà. Donc celle-ci, je vais les fixer et l'autre, je vais la laisser libre. Voilà, ça fera deux effets. Allez, Agnès, hop, tu fais chauffer ta colle. Voilà, je discute et je discute et je discute et je fais des bêtises. Bon, bah écoutez, il y aura au moins deux formes de guirlandes. Voilà. Là, on va les fixer tout simplement pour éviter que ça bouge quand on va tourner les pages. Sinon, sinon ça ne va pas le faire, quoi. Tout en direct, tout en bêtise. Voilà. Alors. Donc là, maintenant, ben voilà, elle est fixée. Bon, cela dit, c'est pas vilain non plus. Hein. Et là, ben, on va refaire une autre. Voilà. On va refaire une autre. Bon, cela dit, non, mais franchement, c'est pas mal non plus. C'est pas vilain. C'est pas vilain, Tintin. Voilà. Vous voyez? Ici, hop. Ok, donc là, voilà, la frise dépasse un tout petit peu, mais c'est joli comme tout. Donc là, ici, on va refaire une autre frise. Alors, est-ce qu'on va la faire pareil, ça, je ne sais pas. Parce que je vais la faire, parce que, voilà, vous avez compris le concept. Surtout le concept de ne pas refaire la bêtise ou de refaire la même pour que ce soit sympa. Mais cela dit, c'est pas mal. Cela dit, c'est pas mal non plus. Voilà, ici, derrière. Alors, c'est peut-être trop rose. Ouf, non, ça va. Et puis là, on va refaire un autre truc. Mais je pense que je vais refaire... Je vais reprendre des die-cuts. Et puis, je devrais, hop, trouver le moyen de me refaire une guirlande à peu près à l'identique. À peu près à l'identique. Si je ne me trompe... Ça peut être sympa aussi. Donc là, j'ai une tasse. Ok. Et eh ben écoutez, vous savez quoi, je vais continuer et je vais refaire ma seconde prise toute seule. Voilà, punie dans mon coin. Ah, je pourrais peut-être mettre aussi des petites cartes. Vous voyez, peut-être mettre des petites cartes aussi comme ça. Je vais la refaire toute seule dans mon coin, punie, hop. Et puis on se rejoint bientôt pour la continuité d'Alice. Ou peut-être, je sais pas, on aura peut-être un petit tuto intermédiaire. Mais en tout cas, ouais, je vais peut-être mettre une clé aussi. Je vais peut-être un petit peu changer ma façon de faire la frise. Je vais voir.
Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Excusez encore ce tutoriel complètement méli-mélo, bric-à-brac, plein de trous dedans. Je vous fais des gros gros bisous, je vous souhaite de passer un bon week-end ou une bonne semaine. Tout dépendra de la période à laquelle je vais déposer cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, à tout bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.